Pouliguen, La Baule, Pornichet, l'une des plus belles baies de France, ouverte sur l'océan Atlantique. C'est ici que Sophie a décidé de faire l'acquisition d'une résidence secondaire. Elle vit à Lyon, mais a dû gérer tous les travaux à distance. Explication. Sophie, nous avons souhaité vous rencontrer car je sais que vous avez déjà eu l'occasion de rénover des maisons ou des appartements. Oui. Mais là, pour la première fois, étant domicilié à Lyon, vous achetez un appartement ici à Pornichet. Comment est-ce qu'on gère les travaux à distance? Ah oui, effectivement, c'était pas très pratique et ça m'a beaucoup inquiétée, ayant des enfants encore scolarisés. Et puis, mon agent immobilier m'a parlé et m'a recommandé la maison des travaux. Je les ai rencontrés dans leur agence. Oui. Et j'étais séduite par cette proposition. C'était vraiment très pratique et confortable pour moi. On peut dire que ça vous a facilité la vie? Ah oui, j'avais d'un seul coup tout un réseau d'artisans à deux pas de chez moi et qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Nous allons rencontrer Olivier qui dirige l'agence de La Baule et il va nous expliquer concrètement tous les travaux qui ont été réalisés ici. Avec vous en plaisir. Prie, Sophie. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes le gérant de l'agence de La Baule? Absolument. Comment s'est passée la rencontre et quelle a été la valeur ajoutée de la maison des travaux dans ce projet? Eh bien, Sophie m'a contacté il y a presque un an après l'achat de son appartement, un appartement destiné aux vacances, mais malheureusement qui était assez mal aménagé, puisqu'on avait à cet endroit même une chambre cloisonnée. Il fallait le reprendre dans son ensemble. Il fallait revoir la circulation et l'architecture intérieure plus ou moins de l'appartement. Oui, complètement. On est sur un appartement de quelle surface ici, Sophie? 80 mètres carrés. 80 mètres carrés. Mais toute la superficie n'était pas exploitée. Il y avait des couloirs. C'était... Voilà, j'avais envie d'optimiser l'espace. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Vous avez mis tout ça sur du papier? Vous avez créé des plans? Absolument. Sophie savait ce qu'elle voulait et on l'a mis en forme à travers des plans. Plan général de l'appartement, plan de détail de cuisine, plan de détail de salle de bain, avec ma dessinatrice. D'accord. C'est une refonte complète de l'appartement qui a été opérée ici? C'est une refonte complète. On a absolument tout repris, aussi bien le cloisonnement que les sols, les murs, la cuisine et les salles de bain. Pour un appartement de 80 mètres carrés, combien de temps ont pris les travaux? Il a fallu 4 mois de travaux. Olivier et Sophie nous disaient tout à l'heure que l'intervention de la maison des travaux ne lui a pas coûté plus d'argent. Comment est-ce que cela est possible? Absolument. Je travaille avec un réseau d'artisans depuis maintenant 7 ans et je les fais travailler toute l'année. Et à ce titre, ils me rétrocèdent une partie de leur marge. Vous êtes domicilié à Lyon, donc vous ne connaissiez pas les artisans locaux. Est-ce que c'est la maison des travaux qui vous a mis en relation avec tout un réseau justement d'artisans? Tout à fait. Ils m'ont présenté tout un réseau d'artisans qui avaient l'habitude de travailler ensemble. J'ai vraiment senti qu'il y avait une communication entre eux. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps d'ailleurs. Olivier, pour que Sophie ne soit pas en panique à Lyon, vous lui avez envoyé régulièrement des photos de l'évolution du chantier? Oui, absolument. J'ai demandé aux artisans de prendre en photo leurs différentes interventions tout au long des travaux, ce qui a permis à travers des mails de pouvoir communiquer et montrer le travail que les artisans ont effectué. Combien de corps de métier ont travaillé ici? Alors, 6 métiers sont représentés ici, en corps d'état séparés, qu'il s'agisse d'un menuisier, d'un carreleur, d'un électricien, d'un plombier, d'un cuisiniste ou d'un menuisier. Alors moi, j'ai relevé effectivement quelques belles astuces en matière de décoration. Quand on est dans une petite surface, mieux vaut optimiser chaque centimètre carré. Ici, aucune emprise au sol en ce qui concerne le mobilier. Tout est en surélévation, ce qui facilite également le nettoyage et la circulation. On a joué avec des miroirs pour créer de la profondeur. Ça aussi, c'est une belle astuce. Délimiter l'espace cuisine, salle à manger avec simplement un faux plafond plutôt que de mettre une cloison. Bien joué. Quelle expérience tirez-vous justement de cette relation avec la maison des travaux? Eh bien, ça a été une expérience plutôt positive. Et si l'occasion m'en est donnée, et je le souhaite, je recommencerai. Merci à vous de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup. Merci. Réaliser les travaux dans une résidence secondaire ne doit plus être une crise d'angoisse. En vous rendant dans une des agences du réseau national, la Maison des Travaux, vous aurez la possibilité de rencontrer des professionnels, les artisans en charge de votre projet. Vous pourrez choisir les matériaux, les couleurs, toucher justement les différentes matières. Aujourd'hui, c'est si simple de ne pas se compliquer la tâche grâce à la Maison des Travaux, et ceci sans aucun frais supplémentaire.